top. Le numéro 19, la messe est dite. La messe est dite. Une fille de caractère, bonjour Christophe, née le 18 avril à l'ERL du Loisir, chez Dany et Christophe Burlin, fameux éleveur de trotteurs à Saint-Pierre-le-Moutier, ici avec Stéphane Luquet. La messe est dite, une femelle à coupesse de caractère. Et bonjour madame, par Costal Pass, un étalon qui a bien réussi, très bien réussi, la grand-mère est par Vidéo-Roc et ensuite on retrouve à Jean. C'est une souche, on va tout de suite, évidemment, on est tout de suite attiré sous la troisième mère par la descendance de Judith. Boris, Gigenis, Bacardis, Farnis, et puis évidemment, c'est la famille de Patrick Vagne, celle de Arenis, un vainqueur du Grand Cycle de Chaise de Paris. Le premier vainqueur de Grand Cycle de Chaise de Paris, entraîné par Guillaume Massé. Voilà donc caractère, un jeune étalon gagnant du Noailles pour la Gacan sous l'entraînement d'Alain Royer-Dupré, gagnant également du Prince d'Orange, qui avait été acheté par Nicolas Dagenette avec Laura Tsersi pour faire la montre, pour débuter directement pour Laura Tsersi, et qui est parti assez fort avec ses premiers produits de 3 ans, essentiellement des AQPS. Il a produit beaucoup de jumeaux AQPS, notamment cette Bonjour Madame. Il a fait un gagnant avec son premier produit, en l'occurrence Samoum, vous savez, cet étalon allemand qui avait fait la montre un demi-printemps au Haras de Saint-Voire et un demi-printemps au Haras de Longechamp dans le Jura. Et en l'occurrence, ce cheval, c'était Godomar, qui a gagné en obstacle sur l'hippodrome de Vichy. Le deuxième à Maïris qui a été exporté en Irlande. Et ensuite, y a une femelle de caractère qui est Yerling, qui n'est évidemment pas en âge de courir. Et puis après, nous avons cette nouvelle fille de caractère qui s'appelle la Messe Edith.